Une fois que vos épis de maïs seront bien cuits, faites asseoir vos enfants et dégustez ces épis de maïs ensemble. Et pendant que vous serez en train de savourer ces épis de maïs, profitez-en pour leur faire comprendre que dans la vie, il faut apprendre à se contenter de ce que l'on a. Dans la vie... Si après avoir regardé cette vidéo, vous décidez de réaliser cet exercice chez vous avec vos enfants et qu'au cours de l'exercice, une pareille situation vous arrive aussi. Dans notre cas, le vent a fracassé un peu plus de la moitié, n'est-ce pas, de nos tiges de maïs. Donc au finish, on ne se retrouve qu'avec 3 tiges de maïs qui ont porté des épis. Si une pareille situation ou alors une toute autre situation vous arrive aussi, alors utilisez cette situation pour apprendre à vos enfants que dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On dit souvent que l'homme propose et Dieu dispose. Apprenez à vos enfants que dans la vie, on ne réussit pas toujours du premier coup. Apprenez-leur que dans cette vie, quoi qu'ils s'engagent à faire, ils rencontreront toujours des difficultés. Mais surtout, apprenez-leur que face à la difficulté, jamais ils ne doivent abandonner. Après que le vent ait fracassé plus de la moitié de nos épis de maïs, de nos tiges de maïs, on aurait pu se dire, bon, ça va, ça ne sert plus à rien. La vidéo est fichue. Toutes les vidéos qu'on a déjà eu à faire au début, là, on va supprimer. On aurait pu se dire ça. Mais on a continué, n'est-ce pas, à entretenir ces 3 tiges de maïs que vous voyez là. Et aujourd'hui, elles ont des épis. On a continué à les arroser. Et en continuant d'arroser nos tiges de maïs, on s'est demandé aussi qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Qu'est-ce qu'on a eu à mal faire dans notre exercice. Et déjà, on se rend compte que, premièrement, on a mal positionné nos plants. Vous voyez là, nos tiges de maïs ont été positionnées sous la toiture. Ça veut dire qu'il y a de l'ombrage. C'est pourquoi vous voyez que les tiges de maïs ont grandi très haut jusqu'à toucher la toiture. C'est parce qu'ils cherchaient de la lumière. Or, le maïs est une plante dite C4. Ça veut dire que c'est une plante qui aime les ensoleillements forts. Donc du coup, quand vous la mettez à l'ombre,
le développement n'est pas conséquent. C'est pourquoi vous observez qu'on a des épis de maïs assez chétifs. Ça, c'est à la première erreur. Donc, on aurait dû placer nos sacs de maïs de ce côté du couloir. Ça, c'est déjà une première erreur qu'on va se rendre compte. La deuxième erreur, on va se rendre compte que on aurait pu mettre des tuteurs sur nos maïs. Vous voyez, c'est pas quand même une grosse parcelle, c'est juste un petit truc expérimental. Donc, on aurait pu à chaque sac mettre un tuteur, n'est-ce pas, pour soutenir nos maïs afin que le vent ne les fracasse pas d'un coup. Apprenez à vos enfants que c'est cet état d'esprit-là qu'ils doivent avoir. Un état d'esprit de vainqueur et non un état d'esprit de perdant. Le perdant, lui, ce sera apitoyé sur son sort, il aurait pleurniché, il aurait maudit les dieux et tous ses ancêtres. Et pourtant, le schéma est simple. On apprend de ses erreurs et on réussit. Si on tombe, on réapprend à nouveau et on réussit jusqu'à ce que l'on réussisse. C'est ça le schéma à suivre. Donc, nous allons récolter nos épis de maïs. Une fois que vous aurez récolté vos épis de maïs, faites-les bouillir. Une fois que vos épis de maïs seront bien cuits, faites asseoir vos enfants et dégustez ces épis de maïs ensemble. Et pendant que vous serez en train de savourer ces épis de maïs, profitez-en pour leur faire comprendre que dans la vie, il faut apprendre à se contenter de ce que l'on a. Dans la vie, lorsque vous ne serez pas vous contenter de ce que vous avez, vous en arriverez à un point où vous serez obligé de sacrifier vos valeurs, de sacrifier les valeurs humaines pour obtenir ce que vous n'avez pas. Dans la vie, il ne sert à rien d'envier celui qui a plus que nous. Nous avons obtenu que 3 épis de maïs. Peut-être que notre voisin en a obtenu 20. Peut-être qu'il en a obtenu 50. Il ne sert à rien de l'envier. Car lorsque vous commencez à envier, vous allez tomber dans la jalousie. Et cette jalousie pourra entraîner plus tard quelque chose de bien plus négatif encore. Lorsque vous commencez à envier, vous pouvez tomber dans le vol. Ah, moi je n'ai que 3 épis de maïs. Lui, il en a 50. Je vais en prendre 10 chez lui pour compléter chez moi. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de se remettre en question. C'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai obtenu que 3 épis de maïs? Pourquoi lui, il en a obtenu 20? Pourquoi lui, il en a obtenu 50? Dans l'autre cas, ce questionnement a abouti à 2 solutions. Et pour les prochaines fois, si l'on veut aussi obtenir 50 épis, 20 épis, nous savons qu'il faudra que nous mettions nos tiges de maïs en plein soleil. Il faudra qu'à chaque tige de maïs, on y mette un tuteur afin que le vent ne vienne pas briser nos tiges de maïs. Voilà la démarche à suivre. Se remettre en question et trouver des solutions qui pourront nous permettre de passer à un palier supérieur. Une fois que vous aurez fini de déguster votre maïs avec vos enfants, faites-leur comprendre que nous vivons dans un monde où domine un système qui s'appelle le capitalisme. Système dans lequel certaines personnes sont prêtes à faire le maximum de profit quitte à mettre la vie des autres en danger. Par conséquent, ce maïs que nous avons cultivé de façon biologique, certaines personnes le font en y apportant un maximum de produits chimiques. Certaines personnes le font avec des semences OGM, ceci afin de leur garantir une production maximale et par ricochet, un profit maximal. Et ce maïs qui a été produit avec des pesticides chimiques ou alors avec des semences OGM, nous le consommons d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans la bière ou alors dans les produits transformés. Nous consommons de ce maïs OGM. Expliquez à vos enfants que s'ils veulent vivre longtemps sur cette terre, ils doivent donc prendre l'habitude de toujours consommer de l'eau alcaline. Ceci afin de détoxifier leur organisme de tous ces produits chimiques-là. Expliquez-leur que l'eau alcaline ionisée est une eau qui a un pH supérieur à 7. Expliquez-leur que cette eau va permettre, n'est-ce pas, de régénérer leurs cellules, de fortifier leurs cellules. Ceci afin de leur garantir une santé du fer. J'avais le rubella alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal de foie, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai le diabète. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc vraiment, merci. Pour toutes les familles qui auront besoin de ce magnifique gobelet, pour tous les parents qui en auront besoin pour leurs enfants, contactez le numéro qui s'affiche juste là et
vous serez livré peu importe votre zone géographique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.